personnes ou de 3 personnes, c'est que c'est vraiment toute une équipe. Non, non, bien sûr, ouais, c'est vraiment un travail collectif super. Ouais, super. Et, où chacun met le maximum de son énergie dans sa partie, que ce soit voilà, les comédiens, les nerds qui sont dans les ordinateurs, les types qui nous font le café, les chauffeurs, je crois que je suis là debout et non à fond. Ouais, les cascadeurs, les sculpteurs, les plumassiers, les peintres, les électriciens, et j'ai un nombre de gens sur un truc, ils font tous un truc. Ils font tous un truc et ils sont tous assis. On leur manque un, on en galère. Exactement, ouais, ouais. Surtout sur les... Ah non, c'est des entreprises collectives fantastiques à vivre, ouais, bien sûr. Cool, mais c'est vrai. Passera à proximité, si c'est déjà le cas. Alors, oui, dans le micro, c'est mieux comme ça, au fond, on vous entend. Non, mais vous inquiétez pas, en fait, récemment, vous avez mis beaucoup de temps à apprendre à l'empaillard. Le paillard le paillard, c'est un mélange de c'est vraiment Jamel qui a vraiment défini exactement ce que c'était. C'est vraiment un mélange de maya et de turc. Si, ça veut dire des trucs, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Mais ça veut dire que... Moi, j'ai toujours pas les historiens qui travaillent dessus, on a des spécialistes qui sont encore sur le coup, mais non, on attend les résultats. Je vous les communique dès qu'on les a. Autre question ? Animatrice. Je voyais une main qui se lève au fond, mais je ne sais pas si c'était juste un enfant qui voulait faire coucou ou si c'était une question vraiment. Moi, je vous en posais entre temps. Pourquoi est-ce que vous avez écrit un scénario original plutôt qu'être allé dans une adaptation d'album existant? En fait, j'avais les droits du Marsupilami, du personnage. Et voilà, et à partir de là. À partir de là, j'avais envie d'une histoire avec Jamel. Au départ, c'était ça, comment on pouvait former un tandem, tous les deux, et puis ensuite, voilà, il y a l'histoire qui... Et puis, voilà, parce que le Marsupilami appartenait à Franquin et pas à Spirou et Fantasio. Voilà, Franquin n'a pas créé Spirou et Fantasio. Il est venu à la troisième période du Spirou. Évidemment, il a créé là-dedans Champignac, le Marsu, etc. Et voilà, quand il a arrêté la série de Spirou et Fantasio, il a laissé tous ses personnages à Dupuis, mais il a toujours voulu garder le Marsupilami à part. Et donc, en fait, voilà, on ne peut pas mélanger ces deux, Spirou, etc. Et c'est comme ça. Vous vous êtes senti plus libre, justement, d'avoir cette possibilité. De toute façon, il n'y avait pas vraiment d'autre choix. Donc, mais du coup, oui. En fait, c'était un mélange de comment rester fidèle et comment pouvoir être libre. Alors, la question. Combien ça a pris de temps pour faire du film? Alors, de la première idée qui était avant Mission Cléopâtre jusqu'à aujourd'hui. Donc, je suis un peu lent comme garçon. Mais en fait, à partir du moment où vraiment on s'est vraiment mis sur le film hardcore, enfin vraiment en faisant que ça, ça a pris 2 ans et 3 ans. 15 semaines de tournage. Ouais. Moi, j'ai une question. Alors, tu es où ? Je suis là. Je voulais savoir pourquoi c'est nous. Est-ce que vous aussi, vous portez la voix de Moi, je pourrais vendre dans le lit, oui. Pardon. Oui, chez lui. Surtout chez lui. Mais moyennant finance, je peux te faire un petit spectacle. Je peux faire ma petite pochette, tu sais.
star. Gigantesque star. On connaît même en Palombie. Question juste devant, juste là, voilà. Et ensuite, on viendra vers le milieu de la salle. Vous serez tout au fond. Mylène, merci, Mylène. Ah oui, ah oui. Alors, le Marsupilami est resté dans sa forêt. Il est resté en Palombie. C'est un système mal sauvage, voilà. Et puis, comme Jamel, il s'embrasse. Et voilà. On peut pas l'envoyer. Il existe vraiment ? Comment ? Il existe vraiment ? Spontanément sur le pied des gens. Ne profitez pas, un expert. C'est ça.